quel âge Janima? Quoi? Oui, ou regarde non. Pas, je oui ne regarde ou pas. Non. Plus jamais vous allez l'avoir sur ma chaîne YouTube. Nima, ma meilleure amie, Choco, alias Safa. Je vais être honnête avec toi, Nima, ça fait de nombreux jours où je me pose des questions sur notre amitié. Je suis choquée. Ça sert à rien de faire la choquée. Aujourd'hui, Nima, on va voir avec de nombreuses questions si notre amitié en vaut la peine. Okay. Ça fait depuis la première qu'on se connaît, hein. Ouais. La primaire. Nima n'est pas du tout de base sur YouTube, donc là, ça va vraiment lui faire un choc. Ce concept vient bien évidemment de la chaîne de Mastu. J'ai vu sa vidéo avec Théodore et aussi avec Inoxag. J'ai kiffé, du coup, on va la reproduire. J'ai prêt. Des questions, elles sont pas épicées, elles sont épicées. Moi aussi, j'en ai. T'inquiète pas. On va voir ça, on va voir ça. Je vous explique un petit peu le concept. Yannima, ma meilleure amie, et moi-même, on va se poser des questions mutuellement à tour de rôle. Et on a avec nous un détecteur de mensonges. Chacune d'entre nous, on a un petit bracelet qui permettra de savoir, en fonction de nos BPM, le nombre de battements par minute. Ça nous permettra, en tout cas pas à nous, mais en tout cas au juge qui est juste ici, de pouvoir savoir si on dit la vérité ou alors si on ment. Est-ce que tu es prête? J'espère que tu m'as pas mise dans la sauce, parce qu'en fait, je vous explique le concept, comment on l'a fait. J'étais littéralement dans ma salle de bain, Nima, on dira pas où est-ce qu'elle était. Tout le temps en FaceTime. Et là, je me suis dit, mais attends, Nima, il y a des choses que je ne sais pas totalement sur toi. Et là, j'ai peur, à tout moment, tu m'as mis des questions grave chaudes. Tu m'as dit, fais des questions. J'ai fait des questions. Ah, tout ce que je te dis là, tu m'as mis en question. Merci, c'est pas, t'inquiète pas. Nima, je te vois. T'es prête là? Est-ce que vous êtes prêt, monsieur le juge? Oui. Je te laisse commencer, Nima, puisque tu es l'invité sur cette chaîne. Commence. On commence vraiment soft et tout. Comment tu t'appelles? Ok, je m'appelle Safa. Comme si tu savais pas. Elle m'appelle jamais Choco, elle m'appelle Safa. Moi, c'est Safa. C'est vrai, ça commence bien. Nima, quel âge as-tu? Ah mais attends, tu sais que là, il y en a, ils connaissent pas mon âge. Okay. C'est-à-dire que si là, tu donnes ton âge, ils vont penser qu'on a le même âge. Bah ouais, j'ai 18 ans. Ok, Nima 18 ans, et t'as quoi, 19 ans? En septembre. Septembre, à mon tour. Là, ça commence un peu plus, mais avant que la vidéo débute, et je vous invite à vous abonner avec la cloche de notification, à lâcher votre meilleur pouce bleu, et bien sûr à mettre le code créateur Choco pour ceux qui jouent à Fortnite. Tu es prête pour la question? C'est parti. Et bah non. Avant que la vidéo débute, Choco, balance la pub! Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocolat Vanille. Activez la petite cloche des notifications, lâchez le pouce bleu et bien sûr à mettre son code créateur Choco dans la boutique de Fortnite, C-H-O-C-O-H. Merci à vous. Je te retourne la question. T'as quel âge? Quel âge? Comment ça? Mais quel âge as-tu, Safa? On veut savoir, nous. Tu sais très bien quel âge, Anima. On m'a dit, on va me poser des questions. J'ai 42 ans. Est-ce que j'ai réellement 42 ans? J'ai pas 42 ans, je saute les questions. Peut-être un jour. Je suis née en tout cas en décembre, donc vous verrez en décembre quel âge j'aurai. On a dit, on commence mollo. Que ça c'est mollo. Attends, à la fin de la vidéo, si on a encore amis, il y a un problème. Est-ce que tu me considères vraiment comme ta meilleure amie? Ouais, bah oui, bah logique. C'est vrai? Ok. Ah, j'allais te tuer. Attends, toi. Moi j'ai une vraie question là. Maintenant que t'as percé sur les réseaux. Percé? T'as percé sur les réseaux? Non, tu montes ta tête sur les réseaux. Ouais, est-ce que tu penses que je suis là par intérêt? Bah non. Alors? Oui, quand même. Ouais. Oui, mais en je la connais depuis vraiment la primaire. Quand j'ai la primaire, c'est vraiment depuis CM1. Ouais. Et j'ai bien retenu. Est-ce que tu as une autre meilleure amie en cachette? Non. T'as pas genre une autre amie, une bête de pote? J'ai pas de bête de pote, arrête, tu sais. Ouais, mais on sait jamais. Oui, mais on sait jamais. On sait jamais, je l'ai caché. Est-ce que c'est. Oh! Quoi? Nima! Ce truc ment, je crois. Non, non, il y a pas de mensonge. Le taux de fiabilité, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais de 90%. Nima, est-ce que c'est vraiment vrai? Oui, c'est vrai. Parce que je mens pas, moi. On va reposer la question. Nima. Vas-y. Pourquoi tu fous? Non mais une personne qui n'a rien à se cacher, elle peut pas de... Est-ce que tu as une autre meilleure amie? Non, j'ai pas une autre meilleure amie que toi. C'est... Wow, c'est dur là. C'est vrai? Oui. Ok. Ok, on sait jamais. Nima, j'ai peur. Oh, comme tu sais, on est tout le temps en fast time. Tout le temps. Attends, tu mets pas ta bouche dans des trucs. Ça commence là, la question commence. Moi, je veux que les gens sachent quelle est la personne que tu trouves le plus beau à Webedia. La personne que je trouve le plus beau à Webedia? Ouais. T'es vraiment une bataille. Allez, allez. Y'a personne que je trouve beau. Allez, tu vas nous faire sur un nom. Il nous faut un nom. La personne que je trouve le plus beau à Webedia. Je vais pas dire son prénom, après ça va être gênant. Imagine, je marche à Webedia, je le vois, je fais quoi? Tu vas le croiser, tu vas le regarder dans les yeux. C'est la vie de Wam Nima. Voilà, ta vie du coup. La vie de Wam Nima. Écoute, à la fin de la vidéo, tu vas voir. Plus jamais vous allez la voir sur ma chaîne YouTube. Eh, hey, si vous voulez la voir, je vous mets. C'est quoi ton TikTok, pardon? Mon TikTok et Nima Off. Nima Off, vous allez pouvoir la retrouver là-bas, mais pas ici en tout cas. Là, ça va être une question, Nima, mais pour toi. On veut savoir. Est-ce que tu aimes vraiment mes vidéos YouTube? C'est quoi, c'est rien? Nima, à la limite, mais quand okay, je fais du Fortnite. Tu sais. Non, 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 non. C'est trop gênant. Oui je ou regarde non. Pas, je oui ne regarde pas. Oui ou non. Oui ou non, Nima. Je ne regarde pas les vidéos Fortnite. Non, là, il n'y a plus de Fortnite. Là, il n'y a plus de Fortnite. Ça fait 4-6 mois, là. Je fais des vidéos divertissement. Je regarde de loin. C'est pas ça la question. Est-ce que tu aimes mes vidéos YouTube? Oui.
Vas-y, explique-toi. C'est pas que j'aime pas, c'est que je connais déjà ce que tu vas faire. C'est-à-dire que non. On parle un peu, on sait. Oui, un... c'est vrai, on s'appelle souvent en voilà. FaceTime parce que je te donne mes concepts de temps en temps. Voilà. Mais ça t'empêche pas de regarder les vidéos. Donc t'aimes pas mes vidéos. C'est pas que j'aime pas, c'est que c'est je regarde pas. Non, mais y'a pas que je regarde pas. Je peux comprendre. Après, je sais qu'il y en a beaucoup là. En ce moment, j'ai reçu beaucoup de commentaires en mode en ce moment, tes vidéos sont meilleures qu'avant. Après, c'est normal, c'est en sachant que je fais des vidéos à l'époque, je faisais vraiment des vidéos que pour enfants. Ouais. Là, j'essaie de me diversifier et de proposer du contenu qui peut être regardé par, bah, par les ados, par les adultes. Du coup, je comprends. Mais cette vidéo, t'as intérêt à la regarder. Oui, non, mais bien sûr, fais regarder. Tu vas la regarder juste pour tes détails de cheveux. Est-ce que mes cheveux ont bien été mis? Elle me connaît trop. Bah oui. Nima, à ton tour. Depuis que t'as montré ta tête, est-ce qu'il y a des gens qui sont revenus? Des gens de l'extérieur? Non. On connaît. En fait, je veux trop que je cite des noms. Nima, elle est au courant. À chaque fois, je l'appelle en FaceTime quand il y a quelqu'un qui revient me voir. Et elle sait et elle veut me faire dire des choses. Je sais tout. Mais faut leur dire un peu aussi. Faut leur dire. La liste est longue. Depuis que j'ai montré ma tête, il y a beaucoup de personnes qui reviennent. Des gens du lycée, des gens du collège, des gens de primaire, limite. Claudia, Rania. Anaïs. Aïe, je suis choquée. Elle les a enchaînées. La liste est encore longue, mais j'ai pas envie. Ils vont revenir me voir là, ils vont m'envoyer des salut. Je vois que t'as parlé sur moi en vidéo. Tu peux m'expliquer pourquoi? Comme ça, ils savent que. Tu veux les afficher? Non. Est-ce que j'ai après, t'auras pas. Est-ce que j'ai raison? Voilà. Ah, j'ai dit la vérité. Tout bien. Tout... Là, je vais plus me gêner. TikTok, on va te mettre dans la sauce. S'il vous plaît, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, je vous en supplie. Pour moi, vous allez tous clipper ce moment. Je vais te montrer trois youtubeurs. Et tu vas me dire lequel tu préfères. Ah, mais oui. Ah, bien sûr. Là, tue-moi. Mais avec la question que tu m'as fait. Arrête. Parmi les trois youtubeurs, quel est celui que tu préfères? Premier youtubeur, Mastu. Deuxième youtubeur, InoxTag. Troisième youtubeur, Michou. Okay. Alors là, je suis trop contente parce qu'il y a tous les fans de Michou, de Mastu. Ils vont tous venir attraper ta vente dans les commentaires. Nima, quel est le youtubeur que tu préfères? Parmi ces trois, est-ce que je peux dire un truc? Si on me permet, c'est qui? C'est je qui? Je ne regarde pas. Mastu, c'est celui on a repris le concept, Nima. Tu préfères lequel entre eux? Bah, du coup, c'est plus. D'après ce que je vois sur les réseaux, est-ce que je connais un peu d'eux, je pense Michou. Hein. Ah ouais? Ouais. Tu sais, j'aurais grave cru, tu m'aurais dit. Ah ouais? Je sais pas parce que je regarde pas trop. InoxTag, j'ai suivi un peu son sport et tout, la muscu, c'est ce qui m'a plus intéressé. Mais je sais pas, genre. Michou, ouais, tu regardes un peu ses vidéos. Bah, après, il publie beaucoup de contenu. Voilà, désolé, Mastu, du coup, elle ne te connaît pas. N'hésitez pas à m'identifier sur le TikTok, @chocolatevania et @nimaoff. C'est fait pour ma question. Quel plus gros mensonge que tu m'aies fait? Déjà menti, un truc assez gros, je veux savoir. T'es jamais menti. Tu vas me dire aujourd'hui. Bah écoute, il y a une chose récemment qui s'est produite et moi je l'apprécie pas trop. Okay. Y a une personne que j'aime pas trop. C'est vrai, elle sait de qui je parle. C'est une de ses amies et moi je. Après je comprends. Mmh. Je comprends que je l'apprécie, mais. Tu l'apprécies pas. J'apprécie pas. Ok, c'est pas grave. Bah, elle on en pas... parlera. Elle veut pas que je développe. Non, on va pas développer. Voilà, au moins c'est dit. Ok, mais ouais, c'est bon. Là, le sourire veut tout dire. Ouais, bon, bah voilà. C'était bien les en fait. Là, je sens que notre amitié est en train de se rompre. C'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Non, je dis c'est pas grave par rapport à ce que. Suivant. Nima, on était en cours depuis la primaire. J'ai une petite question pour toi. On avait cours ensemble. Mm-hmm. Je veux que t'assumes. Est-ce que tu as déjà triché sur moi? Bah oui. Ok. Attends ton truc. Ok, t'es prête? Arrête, tu l'aimes bien. Il y a une personne sur les réseaux, tu m'en as parlé en FaceTime. Aujourd'hui, tu vas nous dire si tu l'aimes bien ou peut-être la montrer tout de suite. Nima si. Nima. Ça c'est fait, tu peux encore là, ne pas montrer. Tu peux encore décider de ne pas le faire. C'est vraiment une nata. Tu vas nous dire. Pourquoi? Pourquoi quoi? Allez, vas-y. Mais quoi? Pourquoi? Mais pourquoi quoi? Non, non, ça c'est une question en mode oui ou non. C'est quoi ta question? Est-ce que tu l'aimes bien? Bah avant, j'aimais trop. Ok. Je la kiffais trop. J'ai pas donné d'indice en fait. Et maintenant, il s'est un truc et du coup je non okay. Pas forcément. Je... on la montre pas. On la montre pas. Tu la ranges. Nima, tu la ranges. Nima, c'est à mon tour. Est-ce que tu m'as déjà menti? Non, même moi pure que je suis, j'ai déjà menti. Mais t'es une menteuse. Si là il dit non, je te jure, je te parle plus. Mais je ne mens pas. Est-ce que tu m'as déjà menti? Non. Attends, mais c'est vrai? Ouais. Quoi? Mais ouais. Mais non, mais c'est sûr. Ça ment pas. Nima, regarde, non, mais quand je dis mentir, c'est dire. Moi, je suis en train de te dire. Ah, Nima, mentir en mode. Ah non, Nima, t'es où? Je suis dans l'ascenseur. Je suis dans l'ascenseur alors que je suis en train de me mettre dessus. Mais oui, t'as tous les jours. Mais ça, c'est pas un mensonge. Mais si, c'est un petit mensonge. Mais si, c'est pour ça que moi, je dis c'est un mensonge. Non, moi, je pars du principe, un gros mensonge, genre un truc. Un big, non. Bah oui, du coup, je comprends. Ok. Est-ce qu'il y a un truc que tu voulais me dire et que t'as jamais, jamais osé me dire? Oui, il y a deux trucs. Ah, il y a deux trucs. Il y a deux trucs. En primaire. Non, mais je m'en fous. Tu rigoles, mais je rigole pas moi. En primaire, je vous explique. Nima, elle a fait partie avec moi d'une mission volage de bonbons. On a volé des bonbons. Arrête de rire, mais je rigole pas. Elle a volé des bonbons avec moi à une prof dans son bureau, dans son tiroir. Et j'ai été la seule à être rondée. Et Nima, elle m'a soudoyée. Elle m'a proposé 20 centimes pour que je ne la poucave pas. J'avais 20 centimes à répéter là. Donc j'ai encore la haine pour ça. Deuxième truc, donc ça fait depuis quelques temps. Oh non, ça me dérange. Je l'ai jamais dit, mais elle a volé ma soeur. C'est pas volé ta soeur. Non, c'est ma soeur qui t'a volé. Parce que moi, ma soeur, je m'en fous, je lui parle. Mais pas plus que moi. T'es trop mignonne.
En fait, en ce moment, elle va tout le temps à la salle de sport avec ma sœur. Oui. Et moi, ça me dérange. Oui, mais parce que ça part. Mais tu travailles. Mais non, là, je travaille pas. Là, tu travailles pas. Elle travaille. Ah, je vois. Bah voilà, je suis obligée de. Toi, t'es tout le temps à la salle de sport, en fait. À chaque fois, t'es où? Allô, Nima, t'es où? À la salle de sport. Avec qui? Avec ma sœur. Oh, mais t'es trop chou. Là, j'ai fait une petite crise de jalousie. Bah, c'est pas une petite, c'est une grosse. Tu viens à la salle ce soir? Oui. Allez, c'est parti. C'est bon, j'ai tout dit. À mon tour, je vais appeler mon ami. Mais là, je suis vraiment choquée, genre. Je sais pas, vous allez dire quoi, ça me stresse de fou. La question que je vais te poser à présent, ça va pas être moi qui vais te la poser. Ok, mais c'est bon, je vais faire. Est-ce que tu es prête? Tourne. C'est une blague. Ma question, tu préfères qui? Mais non. Moi et Safa. Tu préfères qui entre Lilia? Vous pouvez pas dire ça, vous savez très bien. Tu dois répondre. Genre, je suis obligée là. Tu dois répondre. Mais on tu peut dois. Pas. Est-ce que vous, si je vous retourne la question, non, mais laisse, arrête de me l'attendre. Non, mais attendez. Tu dois répondre à la question qui t'a été posée. Mais je sais vraiment pas. Je veux pas. Arrête, c'est sûr. En vrai, comme je dirais en primaire, on était plus genre nous trois. Lilia, après, c'est au collège. Ça, arrête, mais si, je me justifie. Au collège, on s'est un peu délaissé avec Lilia et tout ça. Mais je dirais toi. Parce que nous, c'est vraiment, on s'est vu genre. On s'est vu genre grandir alors qu'avec Lilia, genre, il y avait un moment de. Bah, désolé Lilia. Ok, là je pleure là. Love. Ok, tu l'as. Elle a mis les lunettes. Bisous Lilia. À jamais. À jamais. Là, c'est toi, t'as la haine. Non, franchement, je suis choquée un peu de toi. Petite question, tu passes crème, mais je veux des noms. Pourquoi tu veux des noms? Je veux des noms. Est-ce que t'aimes tous les gens de Rebecca? Et sinon, t'es quel? Oui, j'aime tout le monde. On attend la réponse. Oui, mais bon, ok, mais ils sont pas connus. C'est pas grave. Mais non, arrête, c'est pas des petites webés. C'est pas grave. Tu m'as mis dans la sauce là, regarde, Lilia, elle me parle plus. Mais c'était deux fois rien. Ouais, là, tu veux que je me mette des gens de webédia à dos? Un, non. Je ne peux pas, Nimoche. Le juge, est-ce qu'il veut qu'on. S'il te plaît, dis oui. Ok, c'est bon. Ok. Jeu. Merci, c'est vraiment une bâtarde. La prochaine question, ça y est. Est-ce que tu as déjà parlé mal sur moi dans mon dos? Si tu manges, j'appelle. Hein. Oui, bah non, tu peux appeler. Et vraiment, non, genre. Est-ce qu'elle a déjà mal parlé sur moi dans mon dos? Ok, tu peux y aller, hein. Appelle si tu veux. Je te laisse encore une dernière chance pour. Vas-y. Est-ce que tu as déjà mal parlé sur moi dans mon dos? Non. Ok, c'était juste une petite frayeur. Je voulais voir si t'allais dire oui, prêcher le faux pour avoir le vrai. Mais non, c'est bon. À moi. Alors, là, on va passer aux choses sérieuses. Je vais te faire sur trois photos. Tu vas me dire à la personne que t'apprécies le moins des trois. C'est parti? Là, je t'ai laissé déjà une chance sur une question parce que j'avoue, j'étais un peu méchante. Mais là, entre tu vas choisir. Mais Florian, Noah et Raison. Ouais. Et pour cela, j'ai ramené deux personnes. Vas-y, venez. Oh, Nima ! C'est parti. Bonjour. Bonjour. Vous étiez au courant depuis combien de temps que vous allez passer sur cette vidéo? T'inquiète, choisis. Choisis. Je te rappelle que je t'ai invité pour ma vidéo. Donc. Vous voulez que je choisisse entre Mehdi Florian, t'es là? Noah, je t'aime trop aussi. Genre, on a fait plein de vidéos ensemble. Bah, Raison aussi, j'aime bien. Choisis. Il y a une pression. On te regarde tous et là. Tu peux pas mentir. Hein. Ouais. Mais Rayton, il est même pas là pour se défendre. Je vais être honnête, en vrai, même si Rayton aurait été là, j'aurais dit Rayton. J'apprécie mon Rayton. Voilà, il y a plus d'alchimie, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, ça m'en tourne Nima, mais franchement, je vais t'avouer que j'ai plus de questions. Je sais déjà tout sur toi. Est-ce que t'as encore une petite question là pour moi ou... Moi, j'en ai une. Et je pense que la dernière, vous savez. Ah, mais depuis le début c'est toi, tu mets tout le temps les questions épicées en fait. C'est moi, je disais, je vais voir si notre amitié va tenir à la fin de cette vidéo. Faut bien que les gens sachent un peu quitter sa femme. Je change de visage. De toute façon, comme vous savez, on est tout le temps en appel. Et sa femme parle souvent de crush. C'est faux, Nima, arrête. Il y a mes parents qui regardent les vidéos, ils vont penser que je suis vraiment bizarre. Dis-nous, c'est qui ton crush? Bon, les amis, ça va être la fin. Non. Si vous voulez retrouver Nima, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Non, elle va pas répondre à la question, je suis dégoûtée. Moi, je veux qu'il sache. Au moins, t'es la seule à savoir, c'est déjà bien. Bisous. Pour les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y la zioter. Ma vidéo s'affiche à l'écran. Donc, n'hésitez pas à y la regarder. Je vous fais des très gros bisous.